Alors bonjour, c'est Pierre5816 et aujourd'hui dans cette vidéo, je fais la présentation du Twig Mission Board, donc qui est une alternative aux multitâches d'Apple, mais qui est une autre sorte d'interface. Donc je vais vous montrer des screenshots. Donc on peut voir ici, c'est un peu comme Switchy Board, donc est un Twig qui permettait de faire à peu près la même chose, mais sur l'iOS 4. Donc celui-là, il est pour iOS 5 ainsi qu'iOS 4, hein, seulement iOS 5. Voilà, il est gratuit sur le repo de Big Boss. Donc vous allez marquer Mission Board. Vous l'installez, confirmer. Par la suite, on va se rendre dans les réglages. Désolé, ça bug. On se rend dans les réglages. Et on va descendre dans Mission Board. Il va être comme ça. Vous allez faire Enable. Par la suite, dans Activation Method, vous allez sélectionner une méthode. Donc moi, j'ai mis. Oh, pardon. J'ai mis. Triple action sur le bouton, je vais mettre sur voilà, j'ai mis appui triple sur le bouton home. Voilà, désolé, je vais mettre en mode avion parce que sinon ils vont me spammer. Voilà, donc pour l'activer, vous faites votre méthode d'activation. Moi j'ai mis appui triple. Voilà, on peut voir ça ici comme ça, c'est très fluide. Donc si j'ouvre exemple, je sais pas moi. Régler, non, iFile, et voilà, ça nous ouvre iFile. Si je refais, allez. Voilà. Si je prends Cydia, ça marche très bien. Donc, voilà, c'était une petite vidéo qui vous montrait la présentation du Twig Mission Board. Donc, c'est Pierre5816. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et une autre petite information, Apple TZ a fermé ses portes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.